Jeudi c'est samedi 21 octobre, mon cher amis et c'est pour moi un plaisir vous m'assoir avec vous. Pour nous introduire ensemble, ce sujet à nous pour nous développer durant cette semaine. Cette semaine, nous allons aller dans l'étude numéro 4. Partager la mission de Dieu. C'est thème ça, durant toute cette semaine, moi et avec vous. Nous allons gagner pour nous être capables de nous développer ensemble. Bien avant même que nous entrions dans la portion qu'il nous devons ensemble jeudi à, allons prier bon Dieu. Nous bénissons et notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore, qu'on comptez réalisé dans la vie. Nous. Tandis que Père des cieux, nous allons introduire ensemble un sujet sujet pour nous développer durant la semaine. Nous au Père que nous allons comprendre davantage les paroles ça. nous allons comprendre davantage les et nous mettre en application. Faites grâce à l'écrit de sauver nous, qu'il soit attention de Jésus. Amen. Mes amis, je vous remercie, vous félicite et encourage pour un ensemble d'efforts que vous avez fait. Jour après jour, nous sommes capables d'approfondir la connaissance de la parole de bon, Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais rappelez, chaque fois que vous plaisir pas vous toujours encourager pour partager l'étude avec un entourage pour que faciliter plus de monde à étudier l'école école, du sabbat. Si vous êtes abonné, vous pouvez faire ça et puis encourager d'autres personnes à faire le monde, fait même avec vous. Et dites maintenant, c'est numéro 4 partager la mission de Dieu. Tekst ki pral fasilite komprensyon nou nan devlopman etite semen nan. Nap genye kom tekst sentral, jenez, chapitou 18. E nap genye, jak chapitou 5, verse 16. Ou men 8, verse 34. E bou chapitou 7, verse 25. Jenez, chapitou 19, verse 1-29. Jenez, chapitou 12, verse 1-9. Se tekst an yo, ame kek lout anko. Nap genye pou nou we, duren etite semen nan. Tekst nou genye pou nou kapap, kembe nan tet nou an. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux tous, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous faites. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 34 et 35, c'est tel que ça nous gagne durant ce matin pour nous capables qu'il y ait dans la tête nous. Eh bien, jeudi a, c'est samedi 21 octobre, nous avons introduit un certain sujet ce matin. Si on étude, nous avons commencé avec les jours d'hier pour nous arriver jusqu'à vendredi qui est 27 octobre. Depi ou komanseman, e nou e depi apre ki bon die te fin fe apel ansanman vek Abraham, nou e bon die te vle itilize Abraham nan misyon liyan. E Abraham egalman li dege menm volante sa. Nou kap apwe sa, par eksemp, dan jenez, sa pweto 18, kan bon die li menm li tapwal aveti Abraham de sa ki tapwal rive sou doman vek gomo. Amos 3 verset 7 fait nous comprendre que bon Dieu pas jamais fait un instant pas révéler la serviteur lui le prophète lui mais nous dans un cas ça un cas, Sodome et moments nous est Abraham c'était le même qui était serviteur ou bien prophète l'Éternel. Abraham pendant une journée qui était bien plus chaleur, Abraham l'a Abraham t'a proposé et puis de loin il y avait trois voyageurs. Abraham ki pran etranje sa yo, ou 3 voyaje ki fati ge. Nou we, Abraham, pa doute, ki ete gen yon nan personaj yo, ki di pou kapap adori. Ebe nou we, se bada, Abraham pral implike nan tit krastan, personelman nan misyon bon diya. E implikasyon li, jan ke li revele nan chapit lan, nou we, Abraham te priye, el ite intercede pou pep so domen gomo la. Abraham mande bon diya, E eh ben, malgre kondisyon lwè moun yowè la, eske pa gen posibilite pou yow kapap sove. Lan wè, se la misyon Abraham nan lè komanse. Abraham apje yon rol intersiseur pou ke perso domi gwo mou an te kapap echapè an ba destriksyon ke bon die lè men lè te rezervè pou yow paske yow pa deside wè pantir pou te chanje kondisyon lè vi. Eh e ben, tout ou lan de chapit sa, an palan de chapit 18 nan jenèz lan, Nous voyons trois grandes qualités spirituelles que nous jouons dans la carrière d'Abraham qui révélèrent dans le chapitre ça. Première nous, nous voyons l'hospitalité d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham est prêt pour accueillir les gens. Parce que l'homme est hospitalier, pas seulement accueillir les gens la Mais qui accueillir les gens dans la carrière, ou bien accueillir, ou bien manger, ou côté pour dormir, ou pas traiter n'importe comment. C'est-à-dire, Abraham, nous jouons eu, euh, une qualité ça dans Abraham dans le chapitre là. Nous Abraham gagnons tout l'amour et il les qualités de prière qui sont capable grandement e aider la mission de bon Dieu Et bien tout au cours de ce maintenant nous allons pou nou développer pour développer étudier ça ensemble partager la mission de Dieu moi déjà encourage vous pour faire plein durant ce maintenant ensemble pour nous faire voyager pour nous faire voyager ça et comme ça nou kapap apren nan kor davantaj nan parol bon Diyo e preposisyon pou ki nou kapap servi bon Diyo e ben nan fason ki li men li chwete ki nou men nou servi. Pabliye, semen nan nou palen nan etude numero 4 Pantaje la misyon de Diyo, yon etude kap komanse li bijo diya pou ve vanredi ki ap 27 e ben oktob e ve asen nou gen pou nou memorize ya, se Jean chapitou 13, verset 34 Et Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation de parole. Nous force, à courage tout au coup de semaine pour que nous soyons capables d'étudier parole parole. tirer profit là-dedans et dans la volonté. Faites grâce à l'écrit, nous sauver nous, que nous avons de Jésus. Amen. Zamim Déjà, c'est une bonne étude, bonne journée, bonne semaine. Et que Dieu vous bénisse.